Aujourd'hui, nous venons
Du livre de Josué. Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem,
Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses fonctionnaires. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est de l'autre côté du fleuve qu'ont habité autrefois vos pères, Théra, père d'Abraham et père de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le conduisis à travers tout le pays du Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en possession à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Puis j'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par mes actions au milieu d'elle. Ensuite, je vous fis sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte, et vous êtes arrivés jusqu'à la mer. Les Égyptiens ont poursuivi vos pères jusqu'à la mer des joncs avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent vers le Seigneur qui plaça des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il fit venir sur eux la mer qui les recouvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez habité dans le désert pendant de longs jours. Je vous ai donné un pays où tout n'avait pas peiné, des villes que vous n'aviez pas bâties et dans lesquelles vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et vous en mangez les fruits. Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez le Seigneur. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux qu'ont servi vos pères lorsqu'ils étaient au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Le peuple répondit, « Loin de nous la pensée d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux, car c'est le Seigneur qui est notre Dieu, lui qui nous a fait monter nous et nos pères, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il a opéré sous nos yeux les grands signes que voici. Il nous a gardés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Le Seigneur a chassé devant nous tous les peuples, en particulier les Amorites qui habitent le pays. Nous aussi, nous servirons le Seigneur, car c'est lui qui est notre Dieu. » Josué dit au peuple, « Vous ne pourrez pas servir le Seigneur, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux qui ne supportera pas vos révoltes et vos péchés. Lorsque vous abandonnez le Seigneur et servirez, les dieux étrangers, il se tournera contre vous pour vous faire du mal. Il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons le Seigneur. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même
que c'est vous qui avez choisi le Seigneur pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Maintenant donc, écartez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur. Dieu d'Israël, le peuple répondit à Josué, « Nous servirons le Seigneur, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué conclut une alliance avec le peuple en ce jour-là. Il lui imposa des lois et des coutumes à Sichem. Josué écrivit ces paroles dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il fit dresser là, sous le chêne dans le sanctuaire du Seigneur. Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu tous les propos du Seigneur lorsqu'il a parlé avec nous. Il servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne déceviez votre Dieu. » Josué renvoya le peuple, chacun à son héritage. Homélie de Saint Chromas d'Aquilée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur avait appelé ses disciples, celles de la terre, parce qu'ils ont relevé par la saveur de la sagesse céleste les cœurs humains affadis par le démon. Et maintenant, il les appelle lumière du monde, parce que, éclairés par lui qui est la lumière éternelle et véritable, ils sont devenus à leur tour une lumière dans les ténèbres.
Parce qu'il est lui-même le soleil de justice, il peut aussi appeler ses disciples lumière du monde. C'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'il déverse la lumière de sa connaissance sur la terre entière. En effet, ils ont chassé les ténèbres de l'erreur loin du cœur des hommes en montrant la lumière de la vérité. Éclairés par eux, nous-mêmes, de ténèbres que nous étions, sommes devenus lumière, comme dit saint Paul. Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Et encore, vous n'appartenez pas à la nuit ni aux ténèbres. Vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Saint Jean a eu raison d'affirmer dans sa lettre « Dieu est lumière » et « Celui qui demeure en Dieu est dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. » Aussi, puisque nous avons la joie d'être délivrés des ténèbres de l'erreur, nous devons vivre dans la lumière comme des fils de la lumière. Ce qui fait dire à l'apôtre, parmi eux, vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. Si nous n'agissons pas ainsi, on verra que, pour notre malheur comme pour celui des autres, nous couvrons et nous cachons par notre manque de foi, comme par un voile, les bienfaits de cette lumière si nécessaire. Aussi savons-nous, pour l'avoir lu dans l'Évangile, que nous encourons le châtiment mérité par celui qui avait reçu un talent pour lui faire gagner le ciel et qui a mieux aimé le cacher que de le confier à la banque. C'est pourquoi cette lampe resplendissante qui a été allumé pour servir à notre salut, doit toujours briller en nous. Nous avons en effet la lampe du commandement céleste et de la grâce spirituelle, ce dont David a témoigné ainsi. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour ma route. Et Salomon a dit, le précepte de la loi est une lampe. Cette lampe de la loi et de la foi, nous ne devons donc pas la cacher, mais l'installer toujours dans l'Église comme sur le lampadaire pour le salut d'un grand nombre, afin de jouir nous-mêmes de la lumière de sa vérité et d'en éclairer tous les croyants.
en lui la joie de notre cœur. Thank you.
De la lettre aux Éphésiens. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir, par l'Esprit Saint, la demeure de Dieu. Thank you.
Sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les apôtres, elle est le corps que nous formons. Loué sois-tu pour la parole qu'ils ont fait connaître, elle est notre lumière et notre joie. Sois-tu pour le baptême et la pénitence qu'ils nous ont annoncés dans la foi, c'est là que nous sommes pardonnés. Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise, elle est notre force et notre vie. Loué sois-tu pour ton apôtre Saint Barnabé, qui était plein de foi et d'Esprit Saint. Par son intercession et celle de la Reine des Apôtres, comble de tes bénédictions les diacres qui terminent leur retraite, les confirmants du doyenné de Laval, les jeunes de la Roche-sur-Yon, les membres de la communauté vie chrétienne, et tous nos hôtes. Loué sois-tu, Seigneur. Oh,